c'est joyeux. C'était un bon souvenir, Cannes, en fait. C'est un très bon souvenir, évidemment. Donc, je viens pas, en fait, je vais pas souvent dans les festivals. Ça faisait assez longtemps que j'étais pas venu, même ici. J'aime bien pouvoir y faire quelque chose aussi. Oui, je suis pas très festival, donc du coup, je suis très heureux de venir dans un festival à chaque fois, en fait, puisque c'est pas ma vie. La montée sur scène bienveillante, des applaudissements, des bonnes têtes qu'il y avait, de la tête de Jude Law, le fait que je m'agenouille devant De Niro. J'ai senti qu'on m'aimait bien là, ce jour-là, c'était très agréable. On a toujours cette espèce de petit... C'est mon premier gros prix en fait, quoi. Donc on est entre l'envie de s'excuser et en même temps dire je vais profiter aussi. Mais c'est un faux daim, hein. On appelle ça un daim. En fait, on aime bien le mot, mais on n'en porte jamais. Personne ne porte du daim, ça n'existe pas. En revanche, je comprends ce qu'il a voulu faire avec ça. Il a voulu... c'est une matière qu'on adore. C'est une peau. Il y a quelque chose à la fois très charnel, qu'on ne jette absolument pas. C'est pas un manteau, c'est pas une veste, c'est un blouson, quoi. On se l'approprie immédiatement et ça devient très identitaire. Ça se patine. Mais c'est un prétexte. C'est un prétexte pour se parler tout seul, en fait. C'est un mec qui s'isole. Voilà, et ça peut être avec des pantoufles, ça peut être avec n'importe quoi.